Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 29 mai, donc je te laisse écrire la date et le titre dicté. Nous allons donc passer comme tous les jours de la semaine avec une dictée des sons qu'on a étudiés, une dictée de nombres et ensuite le calcul posé et un exercice de grammaire. Alors aujourd'hui, on va reprendre le son qu'on a commencé à étudier hier qui est le son i. Je te remontre ce qu'on a étudié. Pour faire i comme dans fille, j'ai besoin du i, mais j'ai aussi besoin des deux l qui font ie avec le i. Fille. Donc quand j'entends i comme dans fille, j'écris i deux l. D'accord? Donc maintenant, on va faire la dictée de syllabes avec i. On va écrire, eh bien, le mot facile. On va écrire fille. Écris-moi la syllabe fille. Ensuite, on va écrire bille. Bille. Alors, ce sont des syllabes, mais ce sont aussi des mots. Hein, d'accord? Les deux, ce sont les deux. Fille, bille. On écrit ensuite grille. Grille. Et en dernier, pille. Pille. Alors, je vais te les relire. Fille, bille, grille, pille. On va observer la correction. Alors, le E ici, il est muet. Donc, comme je t'ai annoncé des syllabes, il n'est pas obligatoire. Moi, je l'ai mis parce que ce sont aussi des mots. Et dans les mots, on met un E par contre. Donc, on a fille, bille, grille, pille. Le verbe piller, ça veut dire voler. Fille, bille, grille, pille. On n'oublie pas le i avec deux l pour faire i. Très bien, maintenant on va passer à la dictée de nombres. On va écrire en premier 607. 607, virgule, 69. 69. Virgule, 72. 72. Virgule, 345. 345. Virgule, 98. 98. Virgule, 231. 231. 31, virgule, 85, 85. Bien, je te les relis tous. 607, 69, 72, 345, 98, 231, 85. Voilà la correction. Donc maintenant que tu as corrigé, on va pouvoir passer au calcul posé, qui est ici. Donc comme les autres jours, tu poses ton calcul et ensuite tu viens voir la correction après. Donc tu fais pause et puis ensuite tu viens voir si tu as bien fait ton calcul. Donc passons à la correction. J'ai posé 59 plus 34. Comme tu le remarques, ces deux nombres n'ont pas de centaines. Donc il n'y a rien dans les centaines. On a 9 unités, 5 dizaines. 4 unités, 3 dizaines. On va donc commencer par ajouter 9 unités et 4 unités. 9 plus 4, ça nous donne 13. Encore une fois, cette dizaine n'a pas le droit d'être ici. Je la barre et je vais la mettre tout en haut, au-dessus de mes dizaines. Je vais maintenant calculer mes dizaines. 1 plus 5, c'est égal à 6. Plus 3, c'est égal à 9. 6 plus 3 est égal à 9. Je n'ai pas de centaines, donc je n'ai rien à mettre dans les centaines. 59 plus 34 est égal à 93. Encore une fois, je ne mets pas le 1 dans mon résultat. Celui-ci, il est passé dans les dizaines, tout en haut.
Maintenant, passons à le dernier exercice pour les rituels de vendredi. C'est un copie et dessine, c'est-à-dire que je te demande de lire le texte, de le recopier et de me montrer que tu as compris ce que tu as lu et ce que tu as écrit. Pour me montrer que tu as compris, soit tu m'écris « je suis » et tu m'écris le mot qui correspond à ce que tu viens de lire, soit tu me le dessines. D'accord? Je ne te le lis pas pour l'instant, c'est à toi de le lire tout seul et ensuite de me le dessiner. Donc tu fais pause, tu copies le texte, tu prends bien le temps. La copie, ce n'est pas un exercice facile. Ça demande du temps et de la concentration pour oublier aucune lettre, d'accord? N'oublie pas les points non plus et les majuscules. Et une fois que c'est copié, tu me dessines ce à quoi ça correspond. On y va, c'est parti. Tu fais pause et tu écris. Alors maintenant que tu as recopié le texte, on va le lire ensemble. Je suis un petit animal au nez pointu et moustachu. J'adore le fromage et j'ai peur du chat. Je suis... Alors, qu'as-tu répondu? Eh bien, je suis... La souris. Eh oui, c'est un petit animal. Elle a un nez pointu et des moustaches. La souris est réputée pour aimer le fromage et surtout pour avoir peur du chat. Je suis donc une souris. Voilà pour le travail de vendredi.